Et bien salut tout le monde, c'est XVSK, aujourd'hui on se retrouve pour cette aventure sur Hellblade Senua's Sacrifice. Donc on s'est laissé ici après avoir ouvert la magnifique grille. Il est en haut. J'avoue, comment est-ce qu'on va en haut? Just find the way. Find the way. C'est pas moyen de les reconstituer, une connerie dans le genre. Non. Est-ce que j'avais fait ça ici? Non, je peux pas monter. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux point monter? Je me doute bien qu'il va falloir faire apparaître l'escalier, mais comment? Déjà, on va voir ça. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, "I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon." Loki replies, "Here is a wand. I will tell you where he stands." And Hoth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Hoth is slain. Oula. Oh non! Oh non! Oh, il y en a trois en plus. Oh mon dieu. On a une flèche. Years have passed since she left her father. She trained hard alongside her friend Dillian. She saw things no one else could. Patterns, shapes, movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. The shadow of darkness never let her go, and she was caught between two worlds, that of Zinbel and her past, and Dillian, her future. Two realities tearing at her soul. Bon, déjà, s'il y a ça ici, ça veut dire quelque chose. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ok, donc on a donc le truc ici. Ouais, c'est bon. Les dieux se moquent de toi. Ah, si je pouvais descendre, ça irait plus vite, hein. Mais non, il faut trouver... Aïe, aïe, aïe. D'accord, donc en gros, il va falloir s'amuser à switcher entre les dimensions encore une fois. Bon, du coup, si je vais dans celle-là, qu'est-ce que je vais y trouver? Normalement, ça va me permettre d'ouvrir la porte sur le côté. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Alors, est-ce que cette grille-là peut être ouverte? Ah! Déjà, est-ce que je peux ouvrir cette grille? Non. Par contre, je vois qu'il y a une icône qui est apparue ici.
étrangement, je ne peux pas y accéder. On peut voir que ça n'apparaît pas, donc ça veut dire que c'est pas ici, c'est pas dans cette dimension. Donc on va aller dans l'autre. Ouais, je suis la raison pourquoi elle est en vie. C'est parce qu'elle adore les grosses... Voilà. Donc ouais, là c'est ouvert. Nickel. On va aller faire le tour. C'est quand même dommage qu'elle peut pas courir plus vite, hein. À moins que je n'appuie pas sur la bonne touche. Non. Je me disais aussi. Bon, alors du coup, où se trouve ce symbole qu'on doit chercher? Bearer of the curse. Ah mais non, on dirait que c'est dans cette dimension, c'est dans l'autre dimension bizarrement. Alors on pousse. On pousse. Ok, donc ça on a ça ici. Donc on peut constater qu'il n'y a absolument rien dans cette dimension sur le haut. Donc il va falloir changer. Donc c'était dans l'autre dimension. Toujours rien là, pourquoi? Ah! Déjà ça. What if this is pointless? What are you doing? Why did you think you could make this work? You keep seeing runes, you see runes everywhere. Everywhere? But what if they're not real? What if they don't actually make sense? What if they're a trick? The gods were lying. Think it makes sense, but really the gods are playing with you. It makes sense in your mind, but it doesn't make sense in the real world. The gods are playing, but it doesn't mean anything. You can't read this language, you don't understand. Sinbel was right. You're wasting time. You're cursed. You'll never succeed. Slow! Quicker! Except. What if they're all about wasting your time, just delaying minute by minute by minute? What does she think she's doing? Allez, let's go. Special. She thinks she can. They mean nothing. Oh là là. Ah, mon amour! J'arrive! Donne-moi le fragment de l'épée! Sinon, je te tue. Il bouffe ton âme. Ouh là là. Delian! Delian never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbel. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see. And he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, learned to see the world through his eyes. And slowly, the darkness that had bound her so tightly began to unravel. Be quick. Be quick. Careful. Don't go down. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Zinbel. He's disappeared. You've lost him to the sea. He's gone. You've lost him to the water. He's gone to the water. He's drowned. Zinbel. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world that you, and only you, can see just to be rid of your nightmares?
Was this the price you paid? You did it, but there's more. There's more. Gift that makes you so special in my eyes. There's still more. There's always more to just do. It's not going to be enough. Easy. You're getting tired. Can you do another one? It's too much. I'm left for the wilds to protect you. She hasn't got the energy. No. Too much to do. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. Allez, next. Le prochain est là-bas. D'ailleurs, j'ai pas vu où était le troisième. Bon, allez, une nouvelle aventure nous attend ici. Avec cette fameuse épée capable de tuer les dieux. I saw once a plague strike northern lands of ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... It's... creepy. Creepy. It feels wrong. It feels strange. Where is it? There he is. Didius. The light. Go towards it. He's in the house. He's going in. He's disappearing. Follow him. Don't let him disappear. Keep going. Like the old warrior trials. Dillian will help me. The stench of rot. She can almost taste it. Do you smell it? No. Don't worry. Not everyone can. It was a warm spring day when she went to the river with Dillian and the others. For the water. She could taste the rot. No one else could. She knew something was wrong, something sinister. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like that. You must. You have to get to the house. You have to find Dillian. Le retour des portails. Yep. Alors, qu'est-ce que ça change, ça? Déjà, on va aller checker ça. The Northmen speak of a death moon, a light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware. Because there will be death in that house. Ouh. Ouh. Et donc du coup on va... Hein? Ça servit à quoi? On n'est pas de là normalement? Hein? La question c'est de savoir qu'est-ce que ça change exactement là. Y'a rien ici. Ah si, y'a quelque chose là. Now you have to find him. Quick, get to the house. Get to the house.
Ah, peut-être que je trouve justement. Ça ne finit pas tant que tu ne vas pas dans la maison. Ouais, mais. Donc là, ça reste ouvert. Mais là, est-ce que le pont est reconstruit ou pas? Non, le pont n'est même pas reconstruit en vrai. On va s'en vouloir passer dedans quand même. Monter la tour. Ah. Merci pour l'indication, les filles. Et hop. Quoi qu'il n'y a pas de screamer dans le jeu. Ah, génial, ça servait à rien. Donc en gros, il faut que je trouve un moyen d'aller dans la tour quand elle est encore intacte, à mon avis. Je regarde dans quel portail la tour est en un seul morceau. Je regarde ici par exemple. Là, elle n'est clairement pas en un seul morceau. Par contre, si je regarde ici. Toujours pas. What? Elle sert cette tour du coup. Je dois reconstruire le pont, d'accord. Avec ma vision d'aigle. En espérant que d'ici je peux le faire. Hein. Ah, voilà. Ouais. Pire qu'un maçon portugais. Je jouerai partout avec les yeux, mademoiselle. C'est la vision d'aigle 6.0. C'est magie, magie. Toutes vos idées deviennent du génie. Que je suis con. Pas grave, allez, vas-y. Vas-y, sinoi. Retourne trouver ton amant. Celui qui a dû très fortement voir ton vagin pourrissant. Oh, je suis trash. Ouh. Ah bah excusez-moi, vous allez pas me dire que son minou est propre, hein. Si vous me dites que son minou est propre, il y a un problème, voilà. Oui, c'est moi. Come to me. Where are you? I'm here. I'm right here. Are you in there? Where is he? Come out if you want. You have to find him. Delius! Ah putain! Putain, je dois trouver les runes à partir d'ici. Ah mon dieu. Ah putain! J'ai pas envie de finir carbonisé! Où est la dernière mother fucking rune? Et oh putain! Quoi? C'est une blague là! Oh non! Oh putain quoi! Mais c'est une blague!
Mais comment je suis mort là? Il était même pas là! Ah mais non, mais je suis pas d'accord là, qu'est-ce qui se passe là le jeu? Eh non, je vais pas perdre ici à cause de ça! Mais c'est quoi qui me tue là? C'est quoi? Il est même pas là l'ennemi! Oh putain, je vais mourir, je vais devoir tout recommencer quoi! Mais c'est quoi cette blague là? Sérieux? Mais focus sur quoi? Je sais même pas où je dois aller, bordel de cul! Et tu crois que j'essaie de faire quoi, grognasse? Oh putain. C'est si je le regarde en fait, je brûle. Putain, elle est où la bonne zone là? Elle est où? Oh, je trouve pas, bordel! Ah, elle est là. Allez, allez. On peut le faire. Faut juste trouver l'endroit où est la porte. Non, c'est pas là que je voulais aller, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh si c'est grave, 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 c'est grave. Faut que je fasse le tour, faut que je fasse le tour, faut que je fasse le tour, faut que je fasse le tour avant qu'il me chope. Lâche-moi, bordel de cul! Espèce d'entité de merde! Déjà que j'ai perdu plein de trucs sur le bras là, à cause de ce mini-jeu! Putain, mais je sais plus où est la porte, moi! Putain, le jeu, est-ce que tu peux m'indiquer où se trouve la porte? Ce serait bien, merci. Là, 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 là. Vite, 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 vite. Putain, 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 grouille!
Senua! Senua! What happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. That doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? Et c'est ouf quand même, hein, tout ça pour ça. On te met face à une entité totalement invisible, tu vois juste du rouge pour dire que c'est du feu. Et dès qu'elle t'érafe, c'est terminé, tu brûles quoi. Oh non, il y en a encore deux. Oh non. Oh s'il vous plaît, pas de passage comme face ça. Sinon je sens que je vais mourir là. J'ai pas spécialement envie de recommencer tout le jeu perso. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. It's so strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. It's as if we conspire to hide death. Because we have no answer for it. But when it comes, and it forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Ouais, et ensuite je vais aller où? Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais pas faire de la grimpette là. La logique veut que j'aille de l'autre côté, logiquement. Ben, j'espère. Oh là là, j'étais pas mort une seule fois là. Et là tout d'un coup, pouc! Allez, 3 defs, c'est gratos. 3 petites defs, c'est toujours gratuit, c'est toujours sympa, c'est toujours cool. Tout dans un jeu où est-ce que plus tu vas mourir, plus tu risques de voir le game over. Alors du coup on doit aller où là? Oh. Oh. Y'a pas un truc soit la fille Berserker bidule là? Non, y'a rien.
de sauvegarde. Oh putain, ça pue. Go in. You have to go. Take the torch. It's too dark. Take it. This will help you. Careful. You have to be able to see. Who's there? Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Oh là, pourquoi? There he is. There he is. Dillian, there he is, finally. You found him. What's wrong? What happened? Can you hear me? How did you let him go? You let him. Just wait there. I'll find you. Could you? Non mais il y a d'avoir un monstre là-dedans. J'aime pas les histoires de monstres. How could you lose it? How could you use it? Find him. Ta gueule, bordel. Oh. Là, on peut plus courir par contre. C'est pas le bon chemin, ok. Ah, on doit écouter les bruits. Pourquoi je sens qu'il y a une histoire bizarre avec ça? I can hear him. Hever disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires, as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. C'est vrai que j'ai un peu peur d'avancer là parce qu'on dirait que... On entend quelqu'un là-bas, je crois. Sur la gauche. C'est un labyrinthe, on dirait en fait. Oh là là! Oh là, ils sont casse-couilles. Je l'entends sur la droite. Ouais, sur la droite. It's not him. It's not him. We told you. We told you it was a trick. Mais je l'entends sur la droite. Là-bas, non? Ah oui, c'est ici. That voice doesn't sound like Dillian. What's happening? It's not him. Quiet. He wants me to find him. Je sens qu'il y a un monstre au fond de ça. Ah non, c'est bon. That voice. It's not Dillian.
Ouais, mais c'est pas dit, Diane. What? Oula, je suis en train de me paumer, je crois. Là, je vois un bouclier. Oh là là. Ils sont déjà allumés les torches, c'est ça le truc. Bah oui, j'ai aucune idée. Pourquoi il se moque? You think that voice is Dillian's? It's not. It's beckoning you to death. Oh, j'ai peur maintenant, fais chier. Oh là, ça. Tout se ressemble. Cherche une différence. Mis à part le bouclier, je vois pas ce qu'il y a de différent. En plus, je peux même pas courir, c'est casse-couille. Je suis en train de me paumer là, c'est ouf. Ah, elle me rend fou les voix. Bah, vous savez quoi? On reprendra ce passage une autre fois. Bon, l'avantage c'est que normalement ça a sauvegardé avant d'entrer, donc on va devoir le recommencer. Mais là, j'avoue que, bon, les voix qu'on entend en fond, plus les meufs qui parlent, ça commence à me rendre fou, j'ai avoir la tête qui va exploser là du coup. Allez, sur ce je vous laisse, prenez soin de vous, prenez soin de rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir là... Oui, attitude, comme d'habitude, je suis pour le cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez les lyrics, vous connaissez le dicton. Je vous laisse, je vous fais plein de poutous partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao, bye, bouti bouti, et que l'amour du PVR soit avec vous. Peace!